je peux me projeter à l'heure actuelle dans un pays comme Riga, comme on en a parlé tous les deux, Ouais. c'est une carte à prendre. Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai possibilité, bah, comme j'ai un appartement à Riga maintenant, j'ai la possibilité de venir travailler ici. Allez, dans cette vidéo, je te montre le témoignage de notre nouveau client élite, Nathan Labrosse. Il partage à chaud son expérience de signature à Riga, après s'être parlé deux fois dans le cadre de consultation. Là, c'était le voyage de signature. Le séjour hôtel 4 étoiles avec le petit déjeuner inclus, séance de sport, petite découverte de la ville, dîner ensemble. Nathan, je dois dire, est une personne qui m'inspire beaucoup. Il est déjà propriétaire, mais pas n'importe où. Et si tu souhaites faire la même chose, eh bien, je t'invite à choisir l'étude de cas Life Invest. On établira un diagnostic de ta situation précise. On te recommandera des solutions adaptées à ton profil d'investisseur en fonction de tes contraintes. Et suite à cette étude de cas, on te proposera des biens à fort potentiel de rendement avec des perspectives de plus-value élevées. Alors, donc moi je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, je suis donc en études à Lyon, en troisième année d'ingénieur. Là j'avais un petit peu d'argent de côté, donc je me suis dit que je pouvais peut-être pouvoir commencer à investir. J'ai réfléchi depuis longtemps, voilà, j'ai fait un peu de crypto-monnaie, de bourse, tout ça, mais en ce moment j'ai beaucoup moins le temps. Donc j'ai eu cette opportunité, c'est-à-dire que j'ai une personne dans ma famille de confiance qui m'a parlé de ses activités avec Life Invest. Donc j'en ai beaucoup discuté, on a échangé. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que je pouvais bah, contacter Romain, c'est ce que j'ai fait. On a bien discuté et moi ça rentrait, ce qu'il me proposait rentrait exactement dans ce que je souhaitais. Parce que donc la plus-value de Life Invest, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai très peu de choses à gérer. Moi, je suis étudiant encore, j'ai pas le temps de m'occuper d'un investissement que j'ai fait, bah, notamment à l'étranger. Et là, bah, donc j'ai Life Invest qui s'occupe de ça pour moi. Et donc j'ai plusieurs raisons pour lesquelles j'ai aussi accepté de faire ce projet et d'investir à l'étranger. C'est que j'ai pas non plus un capital énorme. Donc la possibilité d'investir dès maintenant, parce qu'en France, je ne pouvais pas. Donc de le faire en Lettonie. On a une rentabilité qui est très intéressante, vraiment très intéressante. Et moi, j'ai de moins en moins confiance en ce que je pourrais dire en la France, un peu sur la politique, le système économique qui est pris depuis des années. Et donc, je ne me vois pas forcément investir en France maintenant. C'était quoi la problématique principale avant d'investir? Alors moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que là, donc là c'est purement économique, c'est que mes euros qui sont à la banque et qui ne font rien, bah, j'ai perdu 15% si je prends par rapport au dollar dans le monde. Donc ça me gêne énormément. Donc, je ne me voyais pas continuer, il fallait que je souhaitais trouver un investissement depuis un certain temps. Et là, l'opportunité s'est présentée. On a échangé, ouais, j'ai senti que bah, je pouvais avoir confiance en vous. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chercher un professionnel pour répondre à cette problématique? Alors moi, c'est ma première expérience. Donc déjà, je ne me voyais pas faire ça tout seul comme ça, me lancer directement, acheter un bien. Voilà. Donc là, j'ai tout le côté administratif qui est géré par Life Invest. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que tu m'as expliqué à chaque fois comment tu procédais. Donc je permets d'apprendre moi aussi. Bah, j'ai c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est simple en fait, c'est simple. C'est si simple que ça. Et Riga, pourquoi particulièrement? Je sais que tu as parlé bah, du côté attractif en termes de Oui, alors prix. moi il y a un autre point, donc ça c'est, on va dire, long terme. C'est un point que je trouve non négligeable. C'est-à-dire que par rapport au réchauffement climatique, qui est quand même un point assez important qu'on a actuellement dans le monde, je vois beaucoup d'opportunités dans les pays du Nord. Parce que bah, si la température monte de 2-3 degrés dans le monde, les pays du Nord s'en porteront que mieux, je pense. Et bah, on aura un flux potentiellement de personnes assez riches qui vont émigrer vers les pays du Nord. Et donc là, on aurait potentiellement bah, une augmentation des prix de l'immobilier hein, dans ces pays-là. Exact. Ça, c'est un critère que je pense qu'il est non négligeable. Je sais que c'est récent qu'on vient de signer, etc. Mais comment est-ce que, à ce stade, on a réussi à remplir tes objectifs perso, voire pro? Je peux me projeter à l'heure actuelle
dans un pays comme Riga, comme on en a parlé tous les deux, ouais. c'est une carte à prendre. C'est-à-dire ouais. que là, j'ai possibilité, bah, comme j'ai un appartement à Riga maintenant, j'ai la possibilité de venir travailler ici. J'ai mon numéro d'identité fiscale. Donc c'est une carte à prendre, comme j'ai dit, je l'ai prise. Et si un jour bah, j'ai des problèmes sur mon pays, ou voilà, bah, cette carte, je la jouerai. Et donc voilà, je me permets de me diversifier. Excellent. Et quelle a été ta partie préférée là, sur l'accompagnement pour l'instant? Quand on a signé hier, c'était okay. très simple, tout expliqué. C'est très bien passé. Voilà, on a ouais. quelques feuilles à signer. Ouais. L'avocat, le notaire, très bien, ils m'ont tous aidé d'ailleurs okay. pour expliquer à chaque super, fois. Super. Très bien, puis toi tu étais là pour orchestrer. Pour vérifier que j'avais bien compris. Donc, très bien. Donc ça, c'est, ouais, c'est la partie. Après la partie visite de Riga, qui est d'ailleurs une ville que j'aime beaucoup. Okay. L'équipe, qu'est-ce que tu penses de l'équipe, que ce soit en termes de travaux, de design de... Eh bien, bah, alors là, du coup, là, on en revient. De revisiter l'appartement, de voir avec celle qui s'occupe du design. Donc, c'était très intéressant parce qu'elle avait bah, plusieurs plans, plusieurs propositions à me faire sur comment agencer tel endroit. Voilà, donc c'est super, on a bien échangé. Il y avait donc le chef de chantier qui m'expliquait. Ça me permet aussi d'avoir une question de coût sur les rénovations parce que moi, donc, évidemment, je vais être amené à faire la rénovation dans cet appartement. C'était aussi l'objectif de base. Et donc voilà, donc j'ai pu avoir un maximum d'informations aujourd'hui, assez rapidement parce que tout le monde était présent et j'ai pu rencontrer tout le monde, les personnes avec qui donc je vais travailler pendant ces quelques mois de rénovation. En France, on passe 2 ans de loyer à rembourser nos frais de notaire. Là c'était 160 environ, sachant qu'il y avait un peu d'argent aussi pour mon enregistrement chez les... 15 euros et 280. Voilà, c'est ça. Pour l'enregistrement... à Riga. 1,5% du montant de la vente. Donc c'est carrément plus intéressant qu'en France sur ce point. C'est sûr que ça fait bizarre. Dernière question. Si quelqu'un t'appelait et te disait pourquoi est-ce que je devrais faire un Life Invest, qu'est-ce que tu lui répondrais? Y a plein d'avantages. Après, je les ai énoncés, j'ai envie de dire maintenant. Hein, Life Invest à Riga. D'ailleurs, j'ai vu que vous travaillez sur l'Estonie. Pour moi, il y a énormément d'avantages à travailler dans ces pays-là actuellement. Les frais de notaire évidemment et moi pour l'instant je suis extrêmement satisfait du suivi de Life Invest par rapport à tout ce que j'ai fait. Les échanges c'est assez simple, hein. J'ai une question, je pose la question et on me répond dans la journée très facilement. Voilà, puis aussi l'effort, vous avez traduit toutes les traductions me sont envoyées à chaque fois, ça c'est très bien aussi. Oui, donc ça facilite, je veux dire moi je serais incapable de faire ça actuellement, d'investir dans l'Estonie tout seul, pas possible. Contactez Life Invest, hein, parce que vous ferez votre propre idée. Parce que moi j'étais quand même appelé 2 fois, on a eu 2 bons appels téléphoniques et beaucoup d'échanges par mail avant que je prenne une décision. Mais ça s'est fait assez rapidement quand même. Contactez et vous verrez par vous-même. Ça peut être une très bonne opportunité. Et si toi aussi tu souhaites rejoindre la crème des investisseurs qui réussissent à l'étranger, qui ont une carte à jouer, bien je t'invite à choisir l'étude de cas Life Invest en description de cette vidéo. Il est vital plus que jamais que d'avoir une option à jouer pour s'assurer plus d'options, plus d'opportunités, plus d'abondance.